Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'Office de tourisme de Gassin vous propose de découvrir la légende de la sorcière. La peste est arrivée à Gassin en 1348 et en Provence généralement. Les habitants de Gassin habitaient déjà le bourg médiéval et la maladie étant très crainte, ils ont décidé de fuir le village en retournant habiter dans la plaine. Ils étaient quand même désemparés de voir leur village qui s'est à chaque soir resté désert et comme mort. C'est pourquoi ils ont été très surpris quand un premier soir, ils ont vu que le village s'éclairait de 1000 feux. Ils en étaient très contents parce que cela permettait donc de rendre vie au village et surtout permettait au village de ne pas être attaqué par les brigands. Le phénomène s'est reproduit plusieurs soirs de suite et les habitants ont décidé un autre soir d'aller voir comment ce prodige pouvait se réaliser. Donc ils ont pris leur courage à deux mains, ils sont remontés par la plaine, ils sont arrivés à l'entrée du village et ils ont vu dans les ruelles sombres une vieille dame qui transportait dans ses mains une poignée de braise et qui allait de maison en maison allumer les foyers, allumer les bougies et rendre le village scintillant. Par contre, ils n'ont pas été très discrets, si bien que la vieille dame les a vus et elle a alors disparu dans une des ruelles